Au cœur de la forêt, c'est vraiment magique. On rencontre tellement d'amis sympathiques. C'est un monde plein de rêves et d'imagination. Grand Duc, Grand Duc, là-haut tu vois tout. La forêt ne craint plus aucun danger. Alors petit hibou, les puces font les fous. Toujours ensemble, prêts à s'amuser. Ils ne touchent plus terre, ils envoient dans les airs des ballons. Grand Duc, là où tu vois tout. Et tu protèges tous tes amis. Grand Duc. Alors la princesse ouvrit les yeux et se réveilla. Ah, est-ce que la princesse finit par épouser le beau prince charmant? Mais bien entendu la puce. Et après ça, ils vécurent longtemps et heureux. Eh bien, petit hibou, qu'y a-t-il? Là dehors, il y a un monstre. Allons, allons, tu sais bien que les monstres, ça n'existe pas. Tu vois, il n'y a personne dehors. Est-ce que tu en es sûr, papa? Mais oui, c'est sûrement ton imagination qui t'a joué un tour. Et maintenant, il est temps que vous fassiez un gros dodo. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, papa. Ouah. Papa, qu'est-ce que tu faisais là-haut, dis? Je m'amusais à effrayer petit hibou. Même qu'il a cru que j'étais un monstre. Non, toi, il t'a pris pour un horrible monstre. Et pourquoi pas? Je peux être très effrayant quand je veux. Hé, papa, supposons qu'il en existe vraiment un de monstre dans la forêt. Alors tout le monde serait pris de panique. C'est très probable, fiston. Eh, hey, mais oui, ça pourrait très bien marcher. Tu sais quoi? Tu viens de me donner une idée géniale. Puce! Eh, puce, tu dors? Oui. Moi, non. Je crois bien qu'il y a un monstre dehors. Mais enfin, puisqu'on t'a dit que ça n'existe pas. Allez, dors! Bon, très bien. Alors, il nous faut une longue tige pour la queue. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est parfait, fiston. Et nous avons besoin d'un tronc d'arbre pour faire le corps. Ça y est, j'en ai trouvé un. Oups. Ainsi que d'une noix de coco pour la tête. Laisse, je m'en charge. Hein? Oh. Et attention. La noix de coco, c'était pour la tête du monstre, pas la mienne. Oh. Bonjour la puce. Bonjour. Ouah. Alors, est-ce que tu as réussi à dormir un peu? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Oh, il faut absolument que nous trouvions un moyen pour que tu dormes la nuit prochaine. Je ne demande que ça la puce, mais que faire? Le saut de flaque, la voilà la solution. Quand les petits n'arrivent pas à dormir, ils sautent par-dessus les flaques. Après ça, ils sont complètement épuisés. Tu n'as qu'à essayer. Les enfants, venez ici. Montrez à petit hibou comment vous sautez par-dessus les flaques. Pas de problème, vous avez entendu, on va faire du saut de flaque. Ouais, super, c'est super, moi qui passe en premier. Allez-y, on vous regarde. Youpi. Youpi. Voilà, c'est bien. Et maintenant, le trajet retour. Puce, tu as vu ça? Et de quoi est-ce que tu parles? Du monstre. Il était là, il a surgi de derrière les fourrés. Qu'est-ce que tu racontes, petit hibou? Il n'y a aucun monstre dans cette forêt. Pourtant, je suis sûre que j'ai vu. Oh, tant pis, ça fait rien. J'ai une idée. Et si nous allions voir Chinchilla, elle saura peut-être comment t'endormir. Je sais ce dont tu as besoin. Je vais te donner une boisson à prendre avant de te coucher. Merci, Chinchilla. Et c'est une boisson à base de quoi? C'est un secret. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est de la tisane. Je la fais selon une recette très ancienne que je tiens de mon arrière-grand-mère. Ça a l'air délicieux, tout ça. Je te l'apporterai ce soir au moment de te coucher. Ça te va? C'est parfait. Alors, à ce soir. Tu vois,
Je savais bien que Chinchilla serait... C'était quoi ça? Et si c'était le monstre? Silence! Quelqu'un pourrait t'entendre. Désolé, papa. Ouf! C'est toi, Junior! Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était le monstre de la forêt. Quoi? Non, 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 pas du tout. Ce monstre-là est bien plus effrayant. Oh, tu l'as déjà rencontré? Oh, que oui. D'ailleurs, je l'ai vu pas plus tard qu'hier soir à côté de ton arbre. Une énorme et horrible chose, enfin monstrueux. Mais non, papa, c'était toi qui étais... Aïe! À l'instant même où je te parle, il pourrait être n'importe où, prêt à bondir sur sa proie. Oh, à ta place, je garderai les yeux grands ouverts. Quitte à ne pas les fermer de toute la nuit. Nous voilà bien maintenant. Je crois que la tisane ne suffira pas. Splendide, magnifique. Ce n'est pas seulement un monstre, c'est une œuvre d'art. Est-ce que tu crois qu'il fait assez peur, papa? Mais bien sûr qu'il fait assez peur. Il est même terrifiant. Bon, allez, viens, fiston, on rentre. On a mérité une bonne nuit de sommeil. Voilà pour toi, petit hibou. Voilà d'une seule traite. Bon, d'accord, j'y vais alors. Très bien, c'est délicieux, non? Sur ce, je vous laisse. Buenas noches, faites de beaux rêves. Mais qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire de toi, petit hibou? Tu n'as qu'à essayer de lui lire une autre histoire. Mais enfin, j'en ai déjà lu 6. En fait, je sais très bien pourquoi je n'arrive pas à dormir. C'est parce qu'il y a un monstre là, quelque part, qui rôde dehors. Mais non, il n'y a pas de monstre. Je suis désolée, la puce, mais je veux en avoir le cœur net. Viens avec moi. Ridicule, Tibou! Essaie de ne pas parler trop fort. D'accord, si ça peut te faire plaisir, mais pour la énième fois, ça n'existe pas, les... Ah! 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 Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'en ai pas la moindre idée. Attends une seconde. C'est drôle, on dirait que sa tête ressemble à une noix de coco. Et ses mains, en fait, ce ne sont que des feuilles. Regarde aussi sa bouche. C'est seulement une grosse fleur rouge. Oh. Et tu sais à quoi elle me fait penser? À celle que Junior avait tout à l'heure. Je vois. Est-ce que tu penses ce que je pense, la puce? C'est encore un sale tour de Willy. Il a fabriqué ce monstre dans le but de nous effrayer. Il faut s'en débarrasser avant qu'il n'effraie d'autres gens. Tu as raison, la puce. En avant! Petit hibou, la puce, c'est l'heure de se lever. Oh, bonjour, papa. Finalement, tu as réussi à dormir. C'est grâce à quoi? Au saut de flaque? À la tisane de Chinchilla? Oh non, ce n'était rien de tout ça. Mais tu n'as plus à t'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je n'aurai plus de mal à m'endormir. Et comment peux-tu en être aussi sûre? Si je suis aussi sûre de moi, papa, c'est parce que maintenant j'ai compris que les monstres, ça n'existe pas. Ni dans notre belle forêt, ni nulle part ailleurs. Ah, eh bien, ça me fait très plaisir de l'entendre. Ça alors? Il était pourtant là. Regarde, là, il y a des traces de pas. Il est parti se promener, si ça se trouve. Mais non, idiot réfléchi, comment il aurait pu faire ça? À moins que... qu'il se soit animé cette nuit. Oh! Au secours! Un monstre! Au cœur de la forêt, c'est vraiment magique. On rencontre tellement d'amis sympathiques. C'est un monde plein de rêves et d'imagination. Grand Duc, là où tu vois tout et tu protèges tous tes amis. Grand Duc.